besoin de toi, maître. Heureuse est la mère qui t'a porté et allaité. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'observent. Apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. Quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Protège-nous contre la tentation et délivre-nous du mal. » Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le Sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le Saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. » La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours. » Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Mais quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que « tous ont péché » et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Peut-être êtes-vous prêt maintenant à ouvrir votre vie à Dieu. Si oui, vous pouvez vous joindre à la prière suivante, silencieusement.
dans votre cœur. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je confesse mes péchés et je m'en repens. Je t'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur. Merci de me pardonner mes péchés et de me donner la vie éternelle. Fais de moi le genre de personne que tu veux que je sois. Maintenant que je deviens l'un de ceux qui te suivent. Amen. Jésus a dit à propos de ses disciples, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Pour expérimenter la vie en abondance promise par Jésus, ceux qui le suivent parlent à Dieu chaque jour dans la prière et lisent ou écoutent sa parole. Ils parlent de lui à d'autres personnes et rencontrent régulièrement ceux qui l'aiment et le suivent. N'oubliez pas sa merveilleuse promesse. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Yohane mbatizi anaphunzitsa ophunzira ake. Pamene mupemphera muziti, Atate wathu wakumwamba, dzina lanu lilemekezedwe, ufumu wanu udze, kufuna kwanu kuchitike, monga kumwamba chomwecho pansi pano, mutipatse ife chakudya chathu chalero, ndipo mutikhululukire ife machimo athu, monga ifenso takhululukira otichimwira, musatilole ife kuti tiyesedwe, koma mutipulumutse kwa oyipa. Kale anenera analemba mmalemba kuti Mulungu adzatumiza Mesiya kuti adzapulumutse ochimwa ndi kuwayanjanitsa ndi Mulungu. Moyo wa Yesu ukuonetsa poyera kuti yedi ali mpulumutsi amene Mulungu analonjeza utumiza mdziko lino. Mneneri Yesaya analemba namwe ali adzayima ndipo adzabala mwana wa mamuna ndipo zinachitikadi. Mulungu mwamphamvu yake anapangitsa Maria kukhala woyembekezera akadali na mwali. Ndipo anabala Yesu. Monga kunalembedwa mmalemba, chozizwa chakubadwa kwake, chinali chizindikiro kuti mwanayu anali Mesiya, amene Mulungu amutcha mwana wake. Pamene anthu anaona Yesu, anaona chikhalidwe ndi mphamvu ya Mulungu, yochiritsa anthu ndiponso kukhulukira machimo awo, ndipo anawalonjeza malo mu ufumu wake wamuyaya. Yesu anapereka sembe moyo wake ndi kulandira chilango mwalo anthu onse. Kenaka anaukaso kwa kufa kuonetsa kuti mphamvu yake ndi yayikulu koposa mphamvu ya ifa. Moyo wake unafanana ndi zomwe aneneri analemba. Moyo wa Yesu unatsimikiza kuti mawu oyera a Mulungu ndi owona komanso osasintha. Yesu mwini wake anati, thambo ndi dziko zidzapita, koma mawu anga sadzatha. Pachiyambi Mulungu analenga mamuna ndi mkazi, kuti akhale wokondwa pamaso pake.
koma sana mvela malamulo a Mulungu. Chinthu ichi chidawalekanitsa ndi Mulungu. Malemba zalembedwa kuti anthu onse anachimwa, ndipo zotsatira za uchimo ndi imfa. Anthu omwe anachimwa sangakhale mchiyanjano ndi Mulungu. Koma monga momwe Mulungu anapereka mwana wankhosa kufa maloma mwana wa Abrahamu, momwe monso anatumiza Yesu Mesiya kudzafa maloma adzukulu wa Adamu. Moyo wake, imfa yake ndi kuka kwake anabweretsa chiyanjano pakati pa Mulungu ndi wonse omwe amkhulupira Iye. Choncho iwo amene amtsatira Yesu adzathawa chilango ndi kukhala ndi Mulungu kwa muyaya. Pamene Yesu anauka kwa akufa, anati kwa ophunzira ake, anthu adzalalikira mdzina langa ku mafuko onse kuti Mulungu amakhulukira machimo a iwo amene alapa ndi kutembenuka kwa Iye. Yesu anatinso adzatumiza Mzimu Woyera kuti akhale ndi ophunzira ake kuwaonetsera choonadi ndi kuwapatsa mphamvu yotsatira njira ya Mulungu. Pamene mkazi wochimwa uja analapa machimo ake ndi kuyamba kutsatira Yesu, Yesu anati, machimo ako akhulukidwa, chikhulupiro chako chakupulumutsa. Yesu anati, pamene anthu amkondadi Mulungu, ichi ndicho chitsimikizo chakuti Mulungu wakhulukira machimo awo. Yesu Mesiya adayitana anthu kuti amtsate. Pamene chigawenga chapamtanda chinakhulupira mwa Yesu, chidampempha kuti achipulumutse. Yesu anati, lero lomwe lino udzakhala ndi ine mparadaiso. Iwo amene asankha kukhala okhulupira Yesu akhoza kuyamba ubale wawo pogwiritsa ntchito mawu awa. Mulungu ndinu woyera ndi wokwezedwa. Ndikuthokozani kuti mmandikonda. Ndikumva chisoni kuti ndalephera kumverani ndipo ndachimwa. Kuthokozani kuti munatumiza Yesu kufa pa mtanda malo mwanga ndiponso kuti anauka kwa akufa. Ndikuthokozani kuti munazunzika chifukwa cha machimo anga. Ndikufuna kukutsatani ndipo ndikukulandirani monga mpulumutsi ndi mbuye wanga. Ndikuthokozani kuti mwakhulukira machimo anga ndipo mwatsegula njira kuti ine ndikhale ndinu ku nthawi zonse. Ndikupemphani kuti mundipatse mzimu wanu woyera kuti akhale ndi ine ku nthawi zonse. Andipatse mphamvu kuti ndikukondeni ndi mtima wanga wonse kukhala moyo woukondweretsani. Ndipololani kuti anthu akutamandeni kulikonse mʼdziko lonse. Amen. Yesu ananena za ophunzira ake, khosa zanga zimamva mawu anga, ndimazidziwa ndipo zimanditsata. Wotsatira Yesu amakumana pamodzi, amalankhula mawu ake mʼmalemba. Amafunitsitsa kutsatira chitsanzo chake ndipo amauza ena za Iye. Yesu anawatsogolera ndi kuwapatsa mphamvu kudzera mwa mzimu wa Mulungu yemwe amakhala mitima yawo. Amasunga zomwe Yesu ananena kwa ophunzira ake pamene amakwera kumwamba kumpando wake. Mphamvu zonse zapatsidwa kwa ine kumwamba ndi dziko lapansi. Onani ine ndili ndi inu nthawi zonse kufikira chimaliziro cha nthawi ya pasi pano.